Bonjour à tous, c'est encore un plaisir de continuer les échanges liés à la gouvernance des ressources naturelles. Comme nous l'avons annoncé dans l'introduction, ce nouveau cours comprend quatre modules. Le premier module porte sur les impacts des opérations minières sur le genre, c'est-à-dire sur les femmes et les filles. Le deuxième module, nous essaierons de voir comment on évalue ces impacts. Il ne suffit pas de dire voici les impacts, mais comment on les évalue, qu'on en soit de la société civile, qu'on en soit du gouvernement, qu'on en soit des compagnies, comment on évalue ces impacts sur les femmes. Le troisième module va porter un peu sur le cadre juridique et politique et les pratiques qui encadrent le genre dans le secteur des ressources naturelles. Et enfin, comme l'objectif étant de faire un plaidoyer pour changer les pratiques ou les politiques, nous essaierons de voir quelles sont les revendications phares des femmes, des organisations de femmes, des acteurs, tout simplement, pour que l'on puisse avoir une meilleure considération de la notion de genre dans le secteur extractif. Alors, les objectifs de ce module, c'est pour vous permettre d'avoir une compréhension beaucoup plus large de la notion de l'exploitation artisanale des mines. Dans le cours précédent, on avait vu l'exploitation industrielle et toute la chaîne de valeur de cette exploitation industrielle avec les différentes étapes. Cette fois-ci, l'accent va être mis sur l'exploitation artisanale. Ensuite, c'est de comprendre quels sont les impacts différencier de l'activité minière sur les femmes, sur les hommes. Cela nous permettra d'analyser les raisons qui motivent l'exclusion des femmes, qu'elles soient volontaires ou involontaires. Les femmes sont exclues parce que le secteur est très masculin. Et enfin, c'est de voir un peu comment les impacts sont évolués. Alors, ce qui fait qu'on va faire un rappel d'abord du secteur des industries extractives en Afrique de l'Ouest. Jeter un coup d'œil sur la question de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle appelée MA. Et enfin, voir les impacts des projets miniers, qu'ils soient industriels ou artisanaux, sur les femmes, avant d'aborder les raisons de leur exclusion. Alors, en termes d'aperçu de la gouvernance des industries extractives en Afrique de l'Ouest, c'est juste un rappel du précédent cours. Tout le monde sait que l'Afrique est riche en ressources naturelles. C'est environ 30% des réserves mondiales, ce qui est énorme. Et le secteur extractif aussi offre des possibilités ou bien des opportunités de booster la croissance économique pour parvenir à un développement durable et inclusif des pays qui sont riches en ressources naturelles. Même si, pour le moment, ce que l'on constate, c'est que il y a une sorte de paradoxe de l'abondance, c'est-à-dire les pays sont riches en ressources et pauvres en termes économiques. Alors, l'exploitation minière est artisanale et à petite échelle est aussi une source de revenus importante dans le secteur des industries extractives, et notamment en Afrique subsaharienne, où il y a l'exploitation surtout de certains minerais tels que l'or, le diamant. Ce sont deux formes de minerais qui mobilisent beaucoup plus les exploitants artisanaux. Bien sûr, ils exploitent aussi d'autres formes de minerais, mais ces deux minerais-là restent quand même les plus prisés par les exploitants artisanaux. Alors, donc, pour la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne riches en ressources minières, notamment en mines aurifères ou diamantaires, au moins l'activité est très dense dans ces pays-là. Alors, l'exploitation artisanale est souvent informelle et illégale même dans beaucoup de pays. Quelques pays ont essayé d'encadrer légalement cette activité en attribuant des permis d'exploitation artisanale. Si vous allez au Sénégal, il y a ce qu'on appelle les couloirs d'orpaillage. L'orpaillage n'est rien d'autre que l'exploitation artisanale. C'est ce qu'on appelle orpaillage dans le langage local. Donc, le gouvernement du Sénégal ou l'État du Sénégal a pris l'option d'encadrer cette activité parce qu'elle était source de conflits entre les communautés exploitantes et les industries
qui opéraient dans la même zone. Alors, en termes d'avantages, c'est souvent mitigé parce que les communautés, autant elles tirent profit dans ce secteur, de la même sorte aussi, l'exploitation artisanale détruit à la limite même beaucoup plus que l'exploitation industrielle. Comme le disait quelqu'un, c'est à relativiser, mais du fait d'utilisation de certains produits chimiques tels que le mercure constitue aujourd'hui en tout cas les grands agresseurs de l'environnement dans l'exploitation artisanale. Alors, les investisseurs sont beaucoup plus intéressés à l'extraction du bon produit au final. Ce qui fait que finalement, ce qui les intéresse, ce n'est pas les conséquences ou les effets de cette action sur les populations, sur les communautés, mais beaucoup plus le profit qu'ils en tirent, qu'il soit industriel ou artisanal. D'ailleurs, il est constaté que la plupart des exploitants, ou une bonne partie des exploitants, ce ne sont même pas les populations locales, mais c'est des migrants de la région qui viennent s'adonner à cette activité-là. Alors, Afrique, région riche en ressources, mais pauvre en croissance. Donc, paradoxe de l'abondance. On avait rappelé que le cadre juridique et politique du secteur extractif est à différents niveaux. Au niveau international, nous avons des instruments. Au niveau continental, nous avons des instruments politiques au niveau sous-régional et au niveau national. C'est voici comment est organisé un peu le cadre juridique. Et les parties prenantes, c'est le secteur privé qui exploite, le gouvernement qui encadre, surveille, organise, la société civile et certaines organisations internationales qui sont là pour veiller à ce que le secteur soit beaucoup plus transparent et redevable, de sorte qu'il puisse bénéficier aux populations aussi. Donc, on avait aussi rappelé que toute la chaîne de valeur, il y a différentes phases. Et dans chaque phase, il y a au moins des avantages et des opportunités que les communautés ou les États qui accueillent les projets peuvent en tirer. Donc, que l'exploitation se fasse de façon industrielle ou artisanale, à tous les niveaux, les effets sur l'environnement sont perceptibles. C'est des actions c'est, ou c'est des activités qui présentent beaucoup de risques pour l'environnement, mais aussi pour la société. Et on avait vu les impacts environnementaux et sociaux de l'exploitation minière. Donc, chaque phase est associée à différents impacts, quels qu'ils soient, mais ces impacts sont souvent particuliers chez les femmes. Et c'est ce qu'on verra plus tard. Mais arrêtons-nous un peu sur ce qu'on appelle l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, en comparaison avec l'exploitation industrielle. Alors, c'est une exploitation qui désigne l'exploitation par des individus, des groupes ou des familles ou des coopératives. De plus en plus, dans certaines localités où l'activité est légalisée, les communautés exploitantes s'organisent autour de coopératives avec une mécanisation minimale. Ça, il faut le retenir. Ce n'est pas des machines sophistiquées, ce n'est pas une exploitation industrielle, c'est une exploitation avec le minimum d'outils mécaniques. Sinon même, c'est l'exploitation manuelle. Ensuite, il faut retenir la deuxième chose, c'est que pour la plupart des pays de l'Afrique, c'est informel. L'activité d'exploitation artisanale est informelle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas organisée, il n'y a pas de législation autour d'elle, les populations exploitent, et puis voilà, l'État peut-être en partie trouve son compte. Sinon, c'est toujours difficile. Il y a beaucoup de littérature sur la notion de comment légaliser ce secteur-là. Mais il n'y a pas une définition standard, mais il y a des éléments quand même constitutifs de définition de l'exploitation minière artisanale. C'est d'abord très peu de machines ou pas de machines du tout, ensuite informelles et puis peut-être illégales. Voilà. Dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, comme le Mali, Niger et le Burkina Faso, l'exploitation à petite échelle est différente de l'exploitation artisanale parce que l'exploitation artisanale suppose qu'il n'y a même pas de mécanisation, alors que l'exploitation à petite échelle est considérée comme une exploitation avec un minimum de mécanisation, avec la présence d'installations permanentes qui sont établies pour une certaine durée. Donc, en résumé, secteur informel, pratiqué manuellement ou avec peu de machines, est illégal dans beaucoup de pays. D'autres pays ont préféré rapidement organiser cela pour réduire les conflits.
Alors, c'est un secteur qui mobilise beaucoup d'individus. C'est environ 40 millions de personnes qui sont engagées dans l'exploitation artisanale, selon les chiffres de 2017. Alors, c'est des chiffres qui ont évolué de 1993 à 2017. Il y a eu beaucoup d'évolutions, il y a beaucoup de populations qui se sont orientées vers ce secteur, parce qu'effectivement, c'est un secteur appelé souvent un secteur à enrichissement rapide. Donc, si vous comparez avec le secteur industriel, donc c'est le secteur qui mobilise beaucoup plus d'emplois, littéralement, si on peut appeler ça comme ça. Oui, alors, c'est un secteur aussi qui est pratiqué par des communautés souvent rurales, qui pensent que c'est un salut pour eux, parce que quand ils parviennent à récolter quelques pépites d'or, cela fait des revenus assez substantiels dans leur milieu. Alors, ensuite, les problèmes varient d'une région à une autre. Donc, ce qui fait dire qu'on peut penser que ce n'est pas légalisé dans une autre zone, c'est légalisé, ensuite c'est encadré. Donc, je le disais tout à l'heure, elle est considérée comme une activité d'enrichissement rapide, donc ce qui fait qu'elle attire beaucoup plus de personnes dans le secteur. Alors, elle produit aussi beaucoup, hein, parce que elle représente environ 20% de l'offre mondiale d'or et 80% de l'offre mondiale de saphir et 20% de l'offre mondiale de diamant. Donc, vous voyez, c'est pas sous-estimé. C'est une production assez importante de minerais à travers ce secteur. Si vous voyez un chiffre, par exemple, 40 millions de personnes travaillent là-dessus, 150 millions de personnes dépendent de cela dans au moins 80 pays du Sud, c'est-à-dire l'Afrique, l'Amérique latine, l'Asie-Pacifique, etc. Donc, contribution assez importante dans la production mondiale des minerais. Donc, ce n'est pas à sous-estimer, c'est un secteur assez particulier. Effectivement, 70 à 80% des mineurs à petite échelle sont toujours informés. Ça, nous l'avons rappelé. Donc, ça, vous pouvez voir déjà en chiffres le secteur artisanal. Alors, comment aujourd'hui l'impact sur l'environnement, sur la santé, sur la sécurité, c'est ça qui va nous intéresser beaucoup plus et qui va être très déterminant. C'est un secteur informel avec l'utilisation de divers produits chimiques tels que le mercure ou d'autres formes de produits chimiques qui exposent les populations à de graves risques de santé d'ailleurs. C'est assez documenté que dans les régions ou dans les zones où il y a exploitation artisanale, les populations sont souvent exposées à des risques d'abord de santé et de sécurité, mais ensuite l'environnement est assez dégradé parce que ce sont des populations qui ne sont pas souvent conscientes de tous les risques que cela peut poser à l'environnement. Donc, ce qui fait dire qu'ils affectent considérablement l'environnement. En termes d'implication sociale aussi, étant une activité informelle qui est pratiquée dans des milieux ruraux, c'est un secteur qui favorise beaucoup la migration déjà, l'emploi des enfants dans ce milieu-là, parce que c'est organisé souvent par des familles, la criminalité, la prostitution, les maladies sexuellement transmises, ce sont des faits sociaux qui sont assez courants autour des activités minières artisanales. Il y a eu beaucoup d'études là-dessus, que nous avons cité certaines d'entre elles, mais retenons que ce secteur de l'exploitation artisanale a beaucoup d'implications sociales, apporte beaucoup de changements chez les communautés qui sont directement affectées par les opérations. Mais il n'y a pas que les effets négatifs, hein. Il y a aussi les avantages de cette activité-là. Elle présente beaucoup d'avantages parce que les individus qui parviennent à récolter des produits miniers à ce niveau-là parviennent vraiment à quand même les transformer en résultats positifs. Donc, je crois que de ce point de vue-là, on peut aussi considérer que les sources de revenus assez importantes. Et de plus en plus, dans certains pays, on commence à estimer les revenus de cette exploitation minière artisanale. Vous allez, par exemple, à Guinée, elle représente 16% des dépenses d'éducation, d'eau et de développement des infrastructures, 80% des recettes d'exportation et 20% du PIB national. Donc, vous voyez que ce n'est pas à sous-estimer, surtout pour les pays qui ont réussi à encadrer l'activité et à pouvoir au moins mesurer la quantité de minerais produits à travers ce secteur-là. Alors, si on fait une sorte de comparaison entre l'activité artisanale et l'activité industrielle, vous verrez que
pas une comparaison, mais si on analyse vis-à-vis, je crois que vous verrez que dans beaucoup de pays, comme le Sénégal par exemple, l'activité artisanale opère dans des concessions même de l'activité industrielle. C'est-à-dire, l'État a défini ce qu'il appelle des couloirs d'orpaillage ou couloirs d'exploitation artisanale qui sont inclus dans les concessions même des compagnies. Il arrive que ça pose des problèmes entre les deux acteurs, mais quand même, comme il n'y a pas un régime spécifique de l'attribution de la terre à des exploitants artisanaux, à des exploitants artisanaux, pardon, ce qui fait que les couloirs d'orpaillage sont inscrits parfois dans les concessions industrielles, ou bien c'est côte à côte, parce que le minerai se trouve dans des zones bien précises. Donc, ça peut parfois être source de problèmes entre les deux, ou bien les populations arrivent parfois à définir des règles qui ne correspondent pas forcément aux règles des concessions industrielles. Donc, ce qui fait que cela peut être source de conflits dans beaucoup de pays. Et c'est comme le cas au Sénégal par le passé. Dans les années 2008, il y a eu beaucoup de conflits entre les communautés exploitantes artisanales et les exploitants industriels. Donc, toujours est-il que si c'est le cas, il est important que les États définissent des couloirs bien définis, ce qu'ils appellent zone de map, avec des réserves géologiques prouvées, encourager la coopération entre les deux exploitants et promouvoir une sorte de dialogue et de communication entre les artisanaux et les industriels. Donc, ça, c'est fondamental. En termes de formalisation ou régulation, je l'ai dit, la plupart des exploitants sont dans un régime informel déjà. C'est une activité artisanale. Ensuite, le fait d'être dans le régime informel a des conséquences socio-économiques et sanitaires et même environnementales, on en a parlé tout à l'heure, parce que ce n'est pas des entreprises clairement identifiées, donc les actions qu'elles mènent ne sont pas forcément répertoriées ou voilà, encadrées par une quelconque loi. Maintenant, il y a eu beaucoup d'efforts dans certains pays de formalisation ou de régulation. Et toujours est dit qu'il faudrait au moins un certain nombre de principes qu'il faudrait considérer quand il s'agira, bien sûr, de légaliser cette activité-là. Alors, parmi ces principes ou ces approches, il faudrait que les cadres juridiques suppriment les obstacles d'abord à la formalisation. Parce que dans certains pays, c'est radicalement non, c'est illégal. Ensuite, l'octroi des permis doit être vraiment encadré, mais aussi facilité à ces populations-là. Parce que c'est des populations pour la plupart non instruites, dans beaucoup de régions en tout cas. L'accès au financement par les exploitations artisanaux aussi, c'est problématique parce que ce n'est pas une activité qui a des garanties, ce n'est pas organisé dans des entreprises bien formelles. Donc, ce qui fait que les États qui considèrent qu'ils vont encore laisser les populations exploiter de façon artisanale peuvent formaliser ou réguler le secteur et il y a des modèles de régulation qui existe dans certains pays. Alors, c'est un secteur sous-réglementé, on l'a dit. L'OIT y a beaucoup travaillé, notamment sur la question du travail des enfants, sur les conditions de travail. L'Organisation internationale du travail s'est beaucoup penchée sur ça. Il y a beaucoup d'études qui aujourd'hui ont été réalisées par cette organisation pour permettre au moins de donner des pistes par rapport à la légalisation du secteur. Donc, c'est des modèles qui existent. Les gouvernements qui souhaitent le faire peuvent effectivement consulter ces modèles. Alors, qu'est-ce qui explique que le secteur soit peu légalisé ou bien illégal? En tout cas, l'OIT a essayé d'explorer ce chantier et a retrouvé des résultats assez intéressants. D'abord, c'est la question liée au foncier. Si vous légalisez, c'est le foncier que vous immobilisez. Et cela a des répercussions parce qu'il y a des pays qui ont des ressources foncières très limitées, mais aussi la délimitation même des concessions.
Oui, c'est bon, il vient d'arriver, c'est bon. Maintenant, bon, là, c'est l'introduction, c'est le début, hein. Oui, on reprend tout au début, non? Ok, tu veux reprendre tout au début? Oui, ça me dérange pas, hein? Ok, parfait. Donc, d'accord, donc on peut reprendre carrément. Ça marche. Donc, à 3, 2, 1, et c'est à toi. Bonjour à tous, c'est un plaisir de revenir sur le cours que nous vous avons introduit tout à l'heure portant sur l'activité extractive artisanale et le genre, c'est-à-dire comment l'exercice des activités extractives artisanales impacte différemment sur les femmes et sur les hommes. Et dans le précédent cours, on avait effectivement analyser tout ce qui est secteur extractif avec divers modules. Et il était prévu de continuer ces échanges-là pour voir un peu comment, de façon spécifique, ce secteur-là impacte sur les femmes. Mais de façon particulière aussi, on va mettre l'accent sur l'exploitation artisanale et à petite échelle. Alors, l'objectif, c'est de permettre effectivement aux participants de comprendre mieux les impacts sexuels spécifiques des projets miniers, et notamment des projets miniers artisanaux et à petite échelle. Ensuite, cela nous permettra d'analyser quelles sont les raisons qui favorisent l'exclusion des femmes dans la prise de décision dans ce secteur-là. Donc, ce qui fait que, première partie, nous allons faire un petit rappel de la gouvernance des industries extractives en Afrique de l'Ouest pour revenir un peu de façon particulière sur ce point. L'activité artisanale et à petite échelle dans le secteur extractif. Cela nous permettra de voir quels sont les impacts des projets miniers, qu'ils soient industriels ou artisanaux, sur les femmes. Et enfin, terminer par les raisons qui favorisent l'exclusion des femmes. Alors, en guise de rappel, nous avions clairement dit que l'Afrique est riche en ressources naturelles. C'est environ 30% des réserves mondiales, donc ce qui est assez considérable. Nous avions aussi préciser que c'est un secteur qui peut favoriser le développement et stimuler la croissance économique. Il représente au moins 2/3 des exportations du continent africain et occupe une part importante dans le produit intérieur brut de la plupart des pays de l'Afrique qui en sont riches. Alors, c'est une source importante de revenus aussi, mais de la même façon, l'exploitation artisanale et à petite échelle aussi, contribuent de façon considérable dans les revenus qui sont mobilisés dans le secteur extractif. Donc, c'est au moins 23 pays de l'Afrique subsaharienne qui pratiquent cette activité-là, même si elle reste toujours informelle dans plusieurs pays et voire même illégale dans d'autres, parce que beaucoup de pays considèrent que l'activité n'est pas encore formalisée. Les avantages et les coûts sont mitigés parce que autant les populations qui pratiquent l'activité peuvent tirer beaucoup de revenus de ce secteur-là, de la même sorte, c'est un secteur qui agresse de façon assez remarquable l'environnement, la société et beaucoup d'autres impacts aussi sur la vie des individus. Et j'avoue qu'on peut convertir ces ressources non renouvelables à des avantages économiques. Mais cela requiert au moins un certain nombre de préalables que nous pourrons voir plus tard, nous avions vu aussi quand nous abordions la question relative au contenu local. Donc, en résumé, l'Afrique de l'Ouest, ou l'Afrique de façon générale, est un continent riche en ressources naturelles, mais pauvre en croissance. Donc, c'est ce qu'on appelle souvent le paradoxe de l'abondance. Le secteur extractif artisanal, ou à petite échelle, n'est pas encore réglementé dans plusieurs pays. Même si, de façon générale, le cadre juridique et politique est à différents niveaux, international, continental, sous-régional et national, mais on n'a pas encore suffisamment accordé une place importante dans les instruments juridiques à ce secteur-là. Même si beaucoup d'autres pays ont commencé à y réfléchir, d'autres ont pris déjà des actions concrètes. Les parties prenantes restent les mêmes. Le secteur privé qui exploite, le gouvernement qui encadre
la société civile et les organisations internationales qui surveillent, qui contrôlent, pour qu'il y ait beaucoup plus d'avantages de transparence et de redevabilité. Alors, que l'exploitation se fasse de façon industrielle, comme nous l'avions vu dans les cours précédents, ou artisanale, comme nous le verrons cette fois-ci, à tous les niveaux, les effets sur l'environnement sont assez perceptibles et les opérations présentent beaucoup de risques, des risques graves même sur l'environnement et pour la société aussi. Donc, à chaque phase de l'exploitation, on avait dit dans le cycle minier, il y a différentes phases, à chaque phase, il y a des impacts particuliers, mais aussi sur les femmes. Donc, dans ce cours-là, nous verrons comment ce secteur impacte différemment sur les femmes et sur les hommes. Mais avant tout, c'est quoi l'activité minière artisanale et à petite échelle? Il n'y a pas une définition standard, mais les éléments constitutifs même qui peuvent nous permettre de parler d'exploitation artisanale et à petite échelle, c'est d'abord, c'est une activité qui ne requiert pas une mécanisation sophistiquée. Donc, très peu de machines. Ensuite, elle est pratiquée par des individus ou des groupes de façon souvent informelle pour la plupart du temps. C'est une activité dans beaucoup de pays qui n'a pas de cadre juridique, donc pas légalisée. Par conséquent, illégale. Ensuite, dans d'autres pays ou dans d'autres zones, elle est pratiquée de façon manuelle. Donc, ce qui fait que les caractéristiques de l'activité artisanale à petite échelle sont divers, informel, illégal, manuel et très peu de machines. Même s'il n'y a pas une définition standard, parce que pour d'aucun, l'exploitation à petite échelle, par exemple, requiert des machines fixées avec des installations, alors que dans d'autres, cela ne requiert même pas ces machines-là. Mais toujours est-il que l'exploitation artisanale a connu une croissance explosive ces dernières années. Si vous partez des chiffres de 1993, le secteur mobilisait environ 6 millions d'individus. En 2017, il a évolué jusqu'à 40 millions de personnes qui opèrent dans ce secteur-là. Donc, c'est un secteur pourvoyeur, entre guillemets, d'emploi dans la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne. Si on regarde les chiffres, par exemple, ces dernières années, 40 millions de personnes travaillent dans ce secteur, 150 millions en dépendent, 20% de l'approvisionnement en or produit pour ce secteur-là, donc ce qui est vraiment assez considérable. Et si vous analysez aussi la production mondiale de certains minerais, vous verrez que l'activité extractive artisanale occupe une place importante dans ce secteur. Et regardez bien, 40 à 50% de la main-d'œuvre de ce secteur-là est composée de femmes, donc ce qui n'est pas à négliger. Et environ 70 à 80% des mineurs à petite échelle sont informels, comme nous l'avons rappelé tout à l'heure. Donc, ce qui fait que c'est un secteur qui a des conséquences ou des impacts sur l'environnement, sur la santé et la sécurité, parce que pratiqué de façon informelle et illégale, donc cela fait appel à l'utilisation de certains produits qui sont prohibés dans beaucoup de pays, tels que le mercure, par exemple, qui a des répercussions sur la santé, sur l'environnement et sur même l'écosystème. Donc, dans les pays où, disons, certains pays ont refusé de légaliser le secteur parce qu'ils utilisent des produits non autorisés. Donc, ce serait paradoxal de légaliser un secteur et laisser ces produits prohibés, bien sûr, être utilisés dans le même milieu. Donc, un secteur à haut risque environnemental, sanitaire et sécuritaire. Deuxième chose, ce secteur a beaucoup d'implications sociales. Il favorise beaucoup de déviances dans la criminalité. Il est assez documenté que la plupart des activités de prostitution sont bien organisées dans les milieux où l'activité est exercée. Les maladies sexuellement transmissibles sont monnaie courante chez les communautés riveraines, souvent des activités extractives artisanales. Donc, alors, cela s'explique par, bien sûr, la présence de l'argent à flot dans ce milieu-là, mais aussi de la drogue et toute autre forme de produit prohibé. Cela ne signifie pas que le secteur n'a pas d'avantage. Nous l'avons dit tout à l'heure, au moins 20% de la production mondiale de l'or vient de l'activité extractive, artisanale et à petite échelle.
Donc, ce qui fait que cela produit beaucoup d'avantages aussi pour les personnes qui exploitent cela. Et en termes d'emploi, regardez, c'est environ 40 millions d'individus qui sont employés dans ce secteur-là, comparé à l'activité industrielle. Vous prenez le cas de la Guinée, par exemple. Les revenus de l'exploitation minière artisanale à petite échelle représentent 16% des dépenses de la santé, d'éducation et d'eau, 80% des recettes d'exportation et 20% du PIB national. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas à négliger. Si on analyse l'exploitation artisanale vis-à-vis de l'exploitation industrielle, vous verrez que c'est souvent deux secteurs qui peuvent évoluer dans les mêmes concessions ou à des concessions voisines. Si on prend l'exemple du Sénégal, l'État a pris l'option de définir ce qu'on appelle des couloirs d'orpaillage. L'orpaillage n'est rien d'autre que l'exploitation artisanale de l'or. Alors, les couloirs d'orpaillage sont des couloirs inscrits parfois dans les concessions même industrielles, mais avec des délimitations claires où les exploitants artisanaux ne peuvent pas aller au-delà. Et parfois, c'est source même de conflits entre les deux exploitants. L'exploitant artisanal qui peut souvent déborder des lignes qui lui ont été définies, et l'exploitation industrielle qui peut réagir souvent à des violations de son espace d'exploitation. Mais toujours est-il que il y a une sorte de littérature assez développée visant à orienter ou à appuyer les États qui souhaitent légaliser ou formaliser le secteur. Mais cela signifie, cela requiert au moins un certain nombre de préalables, y compris le retrait d'abord de l'exploitation artisanale des concessions industrielles. Ensuite, c'est de régler la question des conflits fonciers entre les exploitants et les autres formes d'activité telles que l'agriculture, l'élevage. Et enfin, c'est de voir aussi comment on peut définir des zones clairement indiquées pour l'exploitation artisanale. Donc, il y a une sorte de littérature qui est proposée par différents acteurs, dont ITF, dont l'OIT, qui ont proposé au moins un certain nombre d'orientations à ce niveau-là. Et de la même sorte aussi, la régulation peine à être effective dans beaucoup de pays où d'autres ont carrément des dispositions qui interdisent de façon radicale l'exploitation artisanale et à petite échelle. Mais toujours, retenons que dans beaucoup de pays, au moins 70% à 80% des mineurs à petite échelle sont informels. Ça, nous l'avons dit tout à l'heure. C'est ce qui favorise même certains écarts, y compris les conséquences socio-économiques, les conséquences sanitaires et les conséquences environnementales assez néfastes. Et vous verrez que c'est dans des zones où les conflits sont très fréquents. Donc, s'il y a besoin aujourd'hui d'organiser les secteurs économiques, ce secteur-là doit mériter une attention particulière. Maintenant, il y a des obstacles, bien sûr, qui se présentent devant les États qui accueillent ces projets-là. C'est des réflexions continues et des propositions qui continuent toujours à être développées par différents organismes. Et l'OIT en fait une préoccupation fondamentale et a développé une forte littérature à ce niveau-là en orientant les États, parce que d'abord le travail des enfants qui est interdit par les dispositions de l'Organisation internationale du travail, et au-delà de cela, c'est comment ce secteur-là qui contribue à l'économie de beaucoup de pays qui reste aujourd'hui souvent sanctionné par des dispositions légales. Donc, ils prennent beaucoup attention à cela. Alors, c'est un secteur aussi qui a beaucoup évolué parce que au début, quand il emploie très peu de personnes, aujourd'hui, on se retrouve avec 40 millions de personnes employées dans ce secteur-là. Naturellement, il mérite une attention. Donc, la réglementation ou la formalisation de ce secteur-là doit attirer l'attention des organismes, qu'ils soient sous-régionaux ou régionaux en Afrique. J'avoue qu'il y a beaucoup de réflexions déjà poussées au niveau de l'Union africaine, à travers la vision minière africaine, mais aussi au niveau de la CDAO, qui est en train de voir. Mais essayons de nous arrêter un peu sur les impacts de ces projets miniers sur les femmes. Alors, les femmes et les hommes sont touchés différemment par les projets miniers, qu'ils soient industriels ou qu'ils soient artisanaux. Ça, nous l'avons dit précédemment. Et à toutes les phases, d'ailleurs, les femmes sont souvent marginalisées dans l'engagement des parties prenantes et leurs droits ne sont pas souvent pris en compte dans la planification et la mise en œuvre des projets.
Donc, nous l'avons dit, aussi bien les opérations industrielles que les opérations artisanales ont un impact différent sur les femmes et sur les filles aussi. Alors, quels sont les impacts des mines industrielles sur les femmes? D'abord, perte de foncier, perte de moyens de subsistance et perte de sécurité alimentaire. Alors, les femmes sont souvent touchées par les projets exproprient les terres où ces femmes-là vivent et travaillent, et cela entraîne effectivement une perte de l'assiette foncière, qui signifie par conséquent la perte des moyens de subsistance et favorise l'insécurité alimentaire. Ça, il y a une large littérature là-dessus que vous pourrez consulter dans la liste de références que je vous ai proposée pour la fin de ce module. Ensuite, la modification des écosystèmes dits aux opérations minières a des conséquences très graves pour les femmes, généralement, qui vivent autour de ces mines-là, qui dépendent aussi de ces ressources-là en termes de durabilité, en termes de moyens de subsistance. Donc, finalement, cela affecte même les valeurs et les traditions de ces femmes ou de la communauté de façon générale. Du point de vue sanitaire, l'utilisation des produits ou des substances chimiques que les femmes absorbent, notamment dans les zones où il y a exploitation, il y a une pollution de l'air, nous l'avons vu dans les modules précédents, il y a pollution de l'eau, il y a pollution de la nappe, il y a les poussières, tout ça, les produits chimiques que les femmes peuvent inhaler, constituent aujourd'hui les sources de maladies, notamment respiratoires, où les femmes et les enfants sont souvent diagnostiqués dans la zone. Donc, ce qui fait que, en matière de santé, les activités extractives ont un impact particulier sur les femmes. En termes de sûreté et de sécurité, l'activité est souvent accompagnée par un certain nombre de vices sur la base des documents que nous avons consultés, où c'est les mines qui engagent les sécurités privées qui ne respectent pas d'abord les droits, ou qui ne sont même pas sensibilisés des droits des communautés. Et ensuite, c'est eux-mêmes qui peuvent être souvent des auteurs des crimes sexuels ou des agressions sexuelles dans la zone, y compris avec les travailleurs des compagnies. Donc, les viols sont souvent fréquents dans ces zones-là. Donc, l'augmentation du travail sexuel, les abus, l'exploitation sexuelle, l'harcèlement sexuel, la traite même des êtres humains est souvent considéré comme des risques supplémentaires pour la sécurité des femmes et des filles. Le travail non rémunéré aussi. L'OIT a beaucoup documenté cette problématique de travail non rémunéré parce que les femmes exercent au moins beaucoup d'autres tâches autour de la mine et qui ne sont souvent pas rémunérées. C'est-à-dire c'est le travail d'appui à tout ce que les hommes font parce que c'est un secteur assez masculin. Donc les femmes sont employées, mais littéralement, elles n'ont pas de rémunération donc à la mesure du temps qu'elles investissent dans ce secteur-là. Alors, les dynamiques de pouvoir, à chaque fois qu'une mine est présente dans une zone donnée, c'est là que les relations de pouvoir hommes et femmes commencent à apparaître parce que les implications financières de la présence de l'industrie favorisent effectivement ces inégalités entre hommes et femmes. Les femmes ne sont presque pas consultées pour donner leur avis sur les projets. Les offres d'emploi sont beaucoup plus limitées aux hommes qu'aux femmes. Ensuite, toute autre considération que nous avons tout à l'heure citée vient s'ajouter à ces manquements-là, ce qui fait que les activités ou la présence des activités extractives ne favorisent même pas l'autonomie des femmes ou l'autonomisation des femmes. Si on en vient maintenant aux impacts des activités artisanales sur les femmes, on l'a dit tout à l'heure, d'abord, c'est un secteur qui emploie beaucoup de personnes, au moins 40 à 45 millions de personnes dans le monde. C'est un secteur qui produit beaucoup, c'est-à-dire 20% de l'or mondial, par exemple, et d'autres pierres précieuses sont produites par le secteur artisanal. Alors, le rôle important que les femmes jouent dans ce secteur-là fait qu'elles sont aussi souvent marginalisées, parce que la plupart des activités de concassage, de réduction d'eau, etc., c'est souvent exercé par les femmes. Alors que les mêmes femmes, même si elles possèdent des permis d'exploitation artisanale ou des autorisations d'exploitation artisanale, elles ont
presque pas accès au financement et au capital pour investir, ce qui les désavantage de façon radicale. Donc, il y a un certain nombre de barrières, y compris l'accès à la terre, le manque de prise de décision qui leur est favorable, ou bien elles ne sont même pas du tout associées dans la chaîne de prise de décision, même si le secteur reste quand même un secteur pourvoyeur de revenus ou d'emplois pour beaucoup de ces femmes. Donc, en plus des défis mentionnés dans l'exploitation industrielle qui s'applique aussi dans l'exploitation artisanale, les principaux défis auxquels les femmes sont confrontées sont souvent liés à l'économie, au cadre juridique, au cadre institutionnel et décisionnel. Alors, les défis économiques sont nombreux. D'abord, les femmes n'ont pas souvent la possibilité de mobiliser des financements pour exercer ces activités-là. Dans beaucoup de pays, vous verrez que les femmes n'ont pas cette possibilité d'aller faire des prêts au niveau des banques parce qu'elles n'ont pas d'actifs qui pourraient représenter leur garantie. Donc, cela constitue déjà un défi fondamental. La propriété de la terre est considérée souvent comme une garantie par beaucoup de fournisseurs de prêts financiers. Mais malheureusement, si les femmes n'ont pas cet accès à la terre et la propriété de la terre, malheureusement, elles n'ont pas de garantie qu'elles pourront proposer aux banques pour pouvoir bénéficier de financement. Donc, malheureusement, donc elles ne pourront pas bénéficier de ce secteur. Si vous prenez du point de vue juridique et institutionnel, la plupart de nos cadres politiques ou juridiques sont défavorables ou discriminent les femmes. Elles sont souvent placées en rang inférieur ou elles ne sont pas énoncées du tout dans les instruments juridiques. Vous verrez qu'il y a beaucoup d'instruments dans les pays qui ne font aucune référence aux femmes en termes de bénéfices, en termes de droits. Elles sont juste moulées dans le lot des communautés, ce qui fait finalement un oubli total ou une absence de prise en compte de leurs droits et de leur situation particulière. On l'a dit tout à l'heure, le manque d'accès et de contrôle des terres du point de vue d'abord juridique constitue déjà un frein fondamental pour les femmes, de sorte qu'elles puissent jouir juridiquement de leurs droits dans le secteur extractif. Et aussi, si on considère les lois coutumières et les croyances culturelles qui font que les femmes souvent sont discriminées, y compris en termes d'héritage dans la plupart des milieux ruraux. Par conséquent, les femmes ne méritent pas des actes miniers de leur mari en cas, par exemple, de disparition. C'est le cas, par exemple, dans beaucoup de pays en Afrique. Le manque de participation à la prise de décision. Les femmes sont presque absentes dans les instances de prise de décision. Ce n'est que récemment, des études ont révélé que, par exemple, dans l'initiative pour la transparence des industries extractives au niveau mondial, jusqu'en 2018-2019, par exemple, les femmes ne représentaient pas au moins 20% dans le secteur extractif en termes de prise de décision. Si vous allez dans les pays individuellement aussi, il y a beaucoup d'études, d'aucune réalisée par Poubès, d'autres par Oxfam et d'autres institutions, ont révélé effectivement que les femmes sont souvent exclues de la chaîne de prise de décision ou bien elles sont discriminées. Et cela, c'est de façon parfois historique même ou culturelle et traditionnelle qui ont contribué à leur statut inférieur dans presque tous les aspects de la vie sociale et économique. Donc, ces normes culturelles ont influencé les approches juridiques parce que nos instruments juridiques sont souvent inspirés des us et coutumes, des religions, etc. Donc, ce qui fait que, naturellement, ces instruments juridiques restent muets sur les droits des femmes, même si, de plus en plus, dans beaucoup de pays maintenant, on commence à développer des politiques et des pratiques qui favorisent les femmes. Nous verrons ça dans le module numéro 3. Pourquoi elles sont exclues? Ça, il faut s'y attarder un peu pour comprendre. Alors, d'abord, le secteur est considéré comme un travail lourd à forte intensité manuelle, le secteur extractif minier. C'est pourquoi il est déjà dominé par les hommes, parce que culturellement, on pense que les femmes n'ont pas cette capacité d'exercer des métiers qui requièrent de la force, qui requièrent une intensité manuelle. Donc, une des raisons, c'est exactement ça. Donc, dans la main d'œuvre.
Dans la prise de décision aussi, les femmes sont souvent marginalisées parce que dans des sociétés souvent patriarcales, la femme n'a pas son mot à dire dans les décisions qui sont prises. Et même dans les projets et programmes qui sont développés dans les organisations de la société civile, jusque-là, les femmes n'avaient pas une place importante dans le secteur extractif. Sinon, les organisations ne définissaient même pas des budgets spécifiques pour analyser la situation des femmes. Mais le problème est plus profond que ça. Il y a d'abord des préjugés historiques qui constituent la première barrière ou bien le premier motif d'exclusion des femmes. Alors, les stéréotypes sociaux selon lesquels les hommes peuvent travailler dans des environnements risqués et que les femmes n'ont pas les capacités, donc constituent déjà un préjugé qui dissuade les femmes de chercher un emploi dans l'industrie extractive. Donc, cela pose déjà un problème de préjugé qui est là. Ce sont des obstacles dans de nombreux pays, d'ailleurs, selon lesquels les femmes provoquent un esprit de malchance. Ça aussi, c'est des préjugés assez historiques. Les cadres législatifs sont souvent discriminatoires, je l'ai dit tout à l'heure. Jusqu'à l'époque récente, il y avait des lois qui interdisaient de façon radicale le travail et des enfants et des femmes. Donc ça, il y a eu par le passé, même si de plus en plus ces lois commencent à sauter, il y a eu des lois, y compris en Occident, qui n'ont jamais favorisé ou bien qui ont interdit de façon claire le travail des femmes dans certains secteurs. Même si l'OIT a beaucoup travaillé là-dessus pour éradiquer certaines formes de législation assez discriminatoires, mais la réalité reste toujours dans beaucoup de pays où la pratique existe toujours. Donc, il est important de plus en plus de voir comment les cadres législatifs et politiques devraient être beaucoup plus sensibles aux gens. Il y a aussi les préjugés culturels qui font que, malheureusement, il y a toujours des barrières. Bien, c'est ça qui explique l'exclusion des femmes. C'est que, traditionnellement, beaucoup de sociétés ont limité l'accès des femmes aux mécanismes de prise de décision. Donc, ce qui fait que les femmes sont attachées aux tâches, soit ménagères, ou liées à l'activité économique ou à la reproduction. Donc, c'est beaucoup plus ces tâches-là qui ont été souvent attribuées. Donc, une division du travail qui ne favorise pas les femmes. Je l'avais dit tout à l'heure, en termes de travail non rémunéré, d'abord le travail domestique non rémunéré principalement, exige beaucoup de temps et d'efforts pour les femmes, donc ce qui fait que leur activité est résumée à la gestion du ménage ou à la reproduction, tout ça, ce qui sont aujourd'hui des sources d'exclusion des femmes, notamment dans le secteur extractif. Ensuite, le manque d'accès aux ressources essentielles. Je l'ai dit tout à l'heure, ces femmes sont souvent dépendantes économiquement. Donc, cela ne favorise pas, effectivement, l'exercice de nos droits selon nos lois et nos politiques. L'accès inégal à l'éducation aussi constitue une source d'exclusion. Dans plusieurs sociétés, d'abord, jusqu'à l'époque récente, les femmes n'avaient pas accès à l'éducation. Maintenant, si elles ont accès à l'éducation, le cycle scolaire des femmes est très limité. La plupart, à la fin du cycle primaire, déjà, les mariages précoces ou d'autres réalités font que, naturellement, elles arrêtent les études un peu plus tôt et que, finalement, cela ne donne pas la chance de pouvoir exercer certains métiers. Ensuite, il y a des domaines d'études où les femmes sont souvent discriminées négativement, c'est-à-dire dans les métiers scientifiques, ou technologique ou en ingénierie et mathématiques. Donc, ce qui fait que les femmes dans ce secteur-là, qui sont considérées comme des études assez longues et peut-être beaucoup plus compliquées, sans raison, les femmes sont souvent bloquées et n'ont pas un accès égal en termes d'éducation. Donc, voici de façon résumée les éléments que nous souhaitions partager avec vous dans ce module 1. Il y a une panoplie de références qui nous ont permis de réunir le contenu de ce cours et des cours suivants aussi, ou des modules suivants que vous pourrez consulter dans le document que vous verrez dans la plateforme. Ensuite, si vous avez des questions ou des commentaires ou des expériences que vous voulez partager dans vos pays respectifs, le forum de discussion vous donne cette possibilité-là. Je vous remercie.